Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci déjà Audrey de me donner l'opportunité de faire ce petit retour en zone de confinement. Ça fait plaisir. C'est vraiment une belle initiative. Ça permet de voir un peu ce que font les gens, si cette période n'est pas trop difficile pour eux. Donc merci beaucoup. Alors, présente-toi brièvement sans oublier de préciser ton lien avec l'Alpha Saint-Jacques. Donc moi c'est JC, je joue à l'Alpha maintenant depuis 7 saisons, mais ça doit faire 8-9 ans que je côtoie les Alphasiens, ou l'Alpha Family comme on dit. J'ai découvert l'Alpha grâce à un gars que j'estime beaucoup, Mister Selig, Bad, si tu te reconnais. Où vis-tu? Je vis à Vic le Comte. Donc je suis dans ma petite campagne tranquille. Moi j'aime bien être en retrait de l'agitation, tout ça. Tu nous montres Vic, ouais? Je peux vous montrer un peu. Là je suis à la maison, rien de spécial. Comment occupes-tu tes journées? Mes journées, ben, au boulot, hein, au boulot. Donc comme beaucoup, hein, le confinement, c'est pas un vrai confinement, en tout cas pas comme le premier. Donc ça bosse. Donc, voilou. Est-ce que tu maintiens une activité physique? Et si oui, comment? Bon, on a un coach qui est assez généreux, hein, vous connaissez, Amine, hein, il aime beaucoup occuper les gens qu'il aime, hein, ses joueurs, tout ça. Donc du coup, ouais, on fait pas mal de petits workouts. Et puis après, moi j'aime bien me tenir un peu en forme. Donc oui, on a ce qu'il faut. Et puis on a anticipé le deuxième confinement, donc on s'est équipé un peu. Merci Matisse. Ton meilleur souvenir basket. Alors, meilleur souvenir basket. Ah, j'en ai beaucoup. Je dirais le premier, c'est un match gagné contre une équipe polonaise de Poznan quand j'étais en sélection région centre. Gros match, on avait fait pleurer le coach. Poznan, hein, dédicace, Jeannot, tu connais très bien Poznan. Et sinon, grosse victoire avec l'Alpha, bien sûr, contre Gerza. Match qui valide la montée. Voilà, et puis d'autres, hein, d'autres, plein de souvenirs. Coupe de France aussi, enfin, tellement de choses. Laquelle de tes coéquipiers a les mains carrées? Voilà, bon, c'est une question un peu facile. Hein. Bébert, désolé, gars, mais je suis obligé de te taguer. Hein. Bon, là, maintenant, t'as ton poignet. On pourra dire que t'as une excuse, tu vois, mais faut que tu fasses quelque chose. Même si je suis étonné, hein, de voir quand même tes progrès. Tu deviens petit à petit un joueur extérieur. C'est bizarre, ça. Est-ce que tu penses pouvoir marquer un panier avant la fin de l'année? En club, ça risque d'être compliqué. Par contre, ouais, bien sûr. Voilà, là, on joue toujours un petit peu, hein, il faut se tenir en forme. Donc voilà. Mais en club, non, peut-être pas avant fin janvier ou quelque chose comme ça. On verra bien. Si on a de la chance, on verra. Ton meilleur adversaire? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai en fait jamais réfléchi à cette question vraiment. Ce que je sais, c'est que s'il y a un gars qui me saoule derrière, non, il faut que je fasse mes workouts qu'il faut pour le surpasser, c'est tout. Une question pour un des membres de l'Alpha qui reste en suspens. Non, je sais pas si j'ai une question vraiment. Désolé, je suis obligé de excuser la question, j'en ai pas. Quand tout cela sera fini, qui aimerais-tu voir rejoindre les rangs de l'Alpha? J'aimerais bien un retour, peut-être. Quelqu'un que j'aime bien et que j'ai pas, on va dire, connu. J'ai pas connu en tant que joueur, mais un peu à côté. Kevin, Larpin. Si tu vois ça, ce serait bien que tu reviennes un peu là. Je sais pas comment ça peut se faire, mais ce serait sympa que tu reviennes dans le coin.
un petit mot pour conclure, bah, prenez soin de vous, essayez de faire au mieux, hein, pendant ce confinement, être avec votre famille, et puis et maintenez une activité physique surtout, et voilà, et mangez bien vos fruits, vos légumes, parce que mine de rien, ça peut aider. Si le mot pour conclure, c'est merci à toutes les personnes que je côtoie et que j'ai côtoyé à l'Alpha depuis, notamment mes U13 devenus 15. Vous là, vous êtes au top. Et puis tout le reste, le staff, le bureau, c'est toujours un plaisir d'être là. C'est pour ça, hein, que on reste, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc merci à vous tous. Allez, prenez tous soin de vous.